Alors coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc oui, si j'ai les mêmes habits, c'est parce que je tourne le même jour. Donc j'avais pas à me changer à chaque fois, j'en profite qu'il fasse beau pour me mettre dehors. Et surtout, ben, j'en profite de pouvoir le faire et être disponible pour pouvoir vous tourner des vidéos. Donc, voilà le pourquoi du comment. Donc bref, assez de blabla. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine, voilà, soin capillaire. Donc je ne voulais pas retourner en vidéo parce que je n'allais pas me filmer sous la douche, bien évidemment, quand même. Pas exagéré non plus, hein. Ça en aurait choqué plus d'un. Donc du coup, je vous montre les produits que j'utilise en ce moment, parce que ça change régulièrement. Mais en ce moment, voilà ce que j'utilise. Donc tout d'abord, j'utilise ce petit produit. Voilà, ce petit, cette grande bouteille de shampoing de chez Franck Provost. Donc c'est l'expert couleur shampoing professionnel protection et éclat au bédakaï antioxydante. C'est à 750 ml, c'est sans silicone. Il est juste tip top celui-ci. Il protège vraiment bien la couleur. Alors comme je vous le disais dans mes produits finis, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit ici. Au début l'odeur, j'étais vraiment, mais alors vraiment pas fan du tout. J'ai mis du temps à m'y habituer. Mais maintenant j'aime beaucoup et il est vraiment très très bien. Il fait vraiment bien son job, il a vraiment bien les cheveux, il les laisse propres. On sent qu'ils sont propres, que la couleur est protégée. Donc voilà, j'utilise ça. Et ensuite, une fois par semaine... Quand je sens que mes cheveux en ont vraiment besoin, mais généralement c'est une fois par semaine, je fais ce masque. Voilà, ce masque Fructis de chez Garnier. C'est le masque Éclat Air Food Goji. Multi-usage pour cheveux colorés. Donc c'est vegan. 98% de formule biodégradable testée dermatologiquement. Des huiles végétales, c'est sans silicone, sans parabène, sans colorant artificiel. Appliqué sur cheveux. Donc, bref. Et c'est bien parce qu'ils mettent tout... Enfin bref. Donc, ils sont juste trop trop bons. Moi ça me fait penser... Alors ça me fait pas penser... ça me fait penser aux fraises bananes. J'en suis mis là. donc c'est celui-ci. Hop, que je ferme. Je l'avais acheté pendant mon... pendant les promotions beauté, donc je vous le mets ici si vous ne l'avez pas vu. C'est celui-ci. Il est vraiment très très bien. Je le kiffe. Il fait les cheveux, mais d'une douceur, Ah, et après, ils sont vraiment tout... ils sont vraiment revitalisés, renourris, ils sont plus secs, ils sont vraiment tout doux, ils sentent bon. Et j'adore. J'adore. Donc je l'utilise une fois par semaine, donc je ne l'utilise pas trop souvent. Alors eux, ils préconisent donc appliquer sur cheveux mouillés pour restaurer instantanément la couleur et démêler sans alourdir. Vous pouvez le faire, donc ça c'est juste en soin démêlant, vous pouvez le faire en, donc vous avez trois utilisations. Donc en soin démêlant, en masque ou en soin sans rinçage. Donc en soin juste démêlant, vous appliquez sur cheveux mouillés et restaurer instantanément la couleur et démêler sans alourdir, et ça c'est tip top. Ensuite en masque, donc appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 3 minutes et rincer abondamment pour raviver intensément la couleur. Ça aussi c'est top. Et sans rinçage, donc sur cheveux secs ou mouillés, appliquer sur les longueurs, vos cheveux colorés sont nourris, éclatants et plus brillants. Donc ça j'ai jamais testé. J'ai jamais testé sur cheveux secs, il faudra que je teste un jour. Mais alors voilà, c'est juste tip top. Donc j'utilise ça et ensuite, de temps en temps, j'ai acheté ce petit soin. Donc c'est défense anti-chute de chez Pantene, donc c'est un tonique capillaire voilà, pour cheveux cassants. Je suis un peu déçue de ça, je l'utilise de temps en temps parce qu'il a tendance après à m'irriter le cuir chevelu, donc c'est celui-ci. Donc ça je vous le recommande pas forcément, voilà, pour moi ça n'a rien changé, mais j'utilise quand même de temps en temps pour dire. Et ensuite avant de me sécher les cheveux. Et ça c'est tout le temps parce que j'ai les cheveux qui sont très fragiles. J'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux cassants, donc fragiles. Donc voilà. Donc j'utilise ceci, c'est le Franck Provost, c'est le protection expert pour la chaleur, le 230 degrés protection. Soin professionnel, protecteur de chaleur sans rinçage, anti-dessèchement et facilite le coiffage à la procératine et à exilose, pardon, pour cheveux sensibilisés par appareil chauffant. Donc ça avant le sèche-cheveux c'est juste tip top. En plus ça va avec le gel douche, donc avec le shampoing, donc voilà.
Mais ça, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment très très bien. J'ai le même pour protection de couleur qui va avec le shampoing ce coup-ci. Je l'aime moins. Mais celui-ci, j'utilise tout le temps. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise pour mes cheveux. Je ne fais pas de bain d'huile. Tout simplement parce que j'ai demandé donc à ma meilleure amie qui est coiffeuse. Et pour mes cheveux, en fait, ça leur apporterait rien de bien. Ils en ont pas besoin. Voilà, ils en ont pas besoin. Un masque, ça suffit. Ils sont pas réellement très abîmés. Ils sont pas. Donc je ne fais pas de bain d'huile. J'en ai fait une fois, j'ai mis au moins bien 3 jours à le rincer. Voilà. En plus, moi qui ai horreur d'avoir les cheveux gras, c'était pas possible. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite routine vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à vous expliquer un petit peu ce que j'utilisais comme produit. En même temps, je vous ai fait une petite revue sur ce produit-là. Voilà, qui est plutôt pas mal. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, je vais en faire une revue indépendamment si vous voulez. Et sur ce, ben voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. À laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous utilisez pour vos cheveux. Si vous connaissez ces produits-là. Si vous en avez d'autres à me conseiller. Parce que vous savez que j'aime énormément tester les produits. Je suis désolée pour le vent. Ça doit être une horreur pour vous. Enfin, je verrai au montage. S'il faut, ben, je recommencerai. C'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Thank you.